Je veux maintenant dupliquer une page. Donc, on a ici notre page avec tous les éléments verrouillés et également notre étoile sur laquelle on a l'option faire glisser une copie. Donc, je veux à nouveau pouvoir dupliquer cette page. Je veux pouvoir dupliquer cette page-là pour ensuite avoir qu'à modifier le chiffre ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans mon navigateur. Le premier navigateur est le navigateur de page. Donc, c'est ici que je peux voir toutes les pages de mon document. À cet endroit-ci, en sélectionnant ma page, j'ai un petit menu contextuel, donc le même petit menu qui revient à plusieurs occasions avec plusieurs outils. Donc, en appuyant dessus, je peux avoir l'option de copier-coller une page et surtout, bon, également de la supprimer, mais ce qu'on veut ici, c'est de la dupliquer. Donc, je vais venir dupliquer ma page. Donc, la même page est créée. Maintenant, je vais venir modifier dans cette page-ci mon chiffre. Donc, pour y arriver, je vais mettre en mode rouge. Je vais venir double-cliquer dans ma zone. Je vais modifier mon chiffre et tout simplement, à nouveau, me remettre en mode bleu. Donc, je suis venue ici modifier ma page et tout est revenu de façon verrouillée. Donc, ma page est complétée, donc j'ai deux pages que l'élève peut maintenant faire.